Bonjour. Il y a plusieurs façons de désherber une terrasse. On peut la désherber à la truelle, avec une truelle pointue, mais je pense que c'est pas efficace parce que ça doit casser les racines assez facilement et les herbes repousseraient. On peut y mettre de l'eau bouillante aussi. Mais bon, il faut beaucoup d'énergie pour faire bouillir l'eau. Et si en plus c'est de l'énergie des centrales nucléaires, avec une cuisinière électrique, c'est loin d'être la joie. Alors moi, j'ai choisi une troisième solution, le vinaigre blanc. Voilà, je vais essayer. Le problème, c'est qu'en principe, ça repousse. C'est bien dommage. Il suffit de mettre plusieurs giclées sur les herbes, sans en oublier une. Et dès le lendemain. Là, on m'entend mal. Il faut bien mettre quelques bonnes giclées sur toutes les herbes, sans en oublier une. Et en principe, dès le lendemain, elles seront déjà pas mal fanées, abîmées. Normalement, je rentre à Lyon, là où j'habite encore, où j'habitais encore, demain matin. Mais on essaiera de voir demain matin ce que ça a donné. Le lendemain, ça n'a guère changé. On ne voit pas beaucoup la différence. En principe, il faut mettre plusieurs litres, petit à petit, chaque jour. Alors, c'est parti pour un deuxième tour. Après 3 jours, les plantes ont déjà pas mal jauni. Regardez si on les compare à des plantes que je n'ai pas arrosées de vinaigre. Elles sont bien vertes, celles-ci. Celles que j'ai arrosées sont jaunes. Il ne me reste plus qu'à continuer pour pouvoir les éliminer complètement.